Salut les geeks, salut tous les gamers, c'est moi Petit Poucet et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle mini-série qui cette fois va être plus éducative et historique que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc avec Glapsvidre, on va vous présenter un plan allemand nommé Opération Hercule ou Héraclès, datant de 1942 qui visait à la conquête de Malte par des forces aéroportées et amphibies germano-italiennes et qui n'a jamais été mis en œuvre alors que tout était absolument prêt. Je vais donc, avec l'ami Glapsvidre, en utilisant le moteur de jeu de Conquest of the Aegean, on va vous reproduire une vision ahistorique de cette bataille, heure après heure, jour après jour, de ce qui se serait passé si les Allemands, si Student et Rommel avaient dit oui à ce plan, et s'il avait été mis en œuvre. Alors avant de se jeter directement dans la gueule du loup et d'arriver directement sur les aéroports maltais, je vais vous faire une petite présentation de la situation allemande en 1942, en Méditerranée. Pourquoi est-ce que les Allemands veulent prendre Malte? Pourquoi est-ce que Malte est si important pour les Italiens et les Allemands et surtout pour l'Afrika Korps? Je vais vous faire aussi une petite présentation de l'outil aéroporté allemand, donc le matériel allemand, les doctrines allemandes. Pourquoi est-ce que les Allemands en 42 sont probablement les meilleurs dans ce domaine-là? Et surtout, comment peuvent-ils utiliser ces compétences? Alors pourquoi les Italiens et les Allemands veulent prendre Malte? Pourquoi sont-ils prêts à sacrifier des hommes, du matériel, pour aller prendre ce caillou perdu au milieu de la Méditerranée. Bah, pour faire simple, Malte, c'est simplement une gigantesque épine dans le fion de la logistique allemande et italienne. Les avions torpilleurs qui peuvent décoller de Malte, donc les avions torpilleurs britanniques, peuvent aisément aller harceler, et ne se gênent pas pour le faire, les convois italiens qui approvisionnent l'Afrika Korps de Rommel et les troupes italiennes qui subissent hein, en Afrique du Nord entre offensive et retraite, etc. Alors les Italiens sont tout sauf cons. Ils savent pertinemment que Malte a une importance stratégique en Méditerranée. Et dès 38, ils vont travailler sur un plan visant à occuper Malte via une opération amphibie, mais ce plan ne sera jamais mis en œuvre ni même écouté par la Regia Marina. Alors en avril 42, Hitler et le compère Mussolini vont se rencontrer. Et vont décider de la mise à mort de Malte. Alors l'instigateur du génial plan n'est autre que le major général Kurt Student, qui est le patron du 11e Fliegerkorps, donc le corps aérien en Méditerranée, et aussi le patron de l'arme parachutiste aéroportée allemand. Alors Kurt Student, qui était aussi l'instigateur du plan de l'opération Mercure en juin 41 sur la Crète, va tirer toutes les erreurs commises lors de cette bataille de Crète. Et va mettre sur pied un plan vraiment excellent, audacieux, parfaitement adapté aux moyens allemands et italiens. Donc déjà, je pense qu'il faut parler un petit peu de la bataille de Crète, de l'opération Mercure, qui est quand même le champ du cygne de l'arme parachutiste allemande. Alors pour ceux qui l'ignorent, en juin 41, les Allemands ont lancé une vaste opération aéroportée sur l'île de Crète, afin de sécuriser l'île et de bouter les derniers défenseurs grecs. Pas de bol pour eux, les Allemands, dans leur précipitation, vont tomber sur une division, la division de Néo-Zélandais du général Freyberg, qui défend l'île, et on va assister à un combat d'une extrême violence, au cours duquel près de 50% des parachutistes allemands vont être tués ou mis hors de combat, donc c'est monstrueux, 50% de pertes. Néanmoins, ça va rester quand même une victoire, puisque les Allemands vont prendre l'île, et vont parvenir à repousser, à faire réembarquer les divisions, les Néo-Zélandais. Donc en soi, ça a été une victoire, mais au prix de pertes catastrophiques en hommes et aussi en matériel. Hein. Beaucoup de Junkers 52 de transport ont été envoyés au tas. Donc grosso merdo, Hitler, après la bataille de Crète, décide de ne plus employer ses parachutistes dans des opérations massives. Alors que faire de ces milliers de parachutistes allemands, qui sont d'excellents soldats, expérimentés, bien équipés, avec l'expérience du terrain. On ne peut pas les envoyer en Russie comme ça un troufion, ça serait vraiment pas rentable. Donc ces parachutistes vont ronger leurs freins pendant quasiment un an, continuant à s'entraîner, à se rééquiper, à combler les pertes. Et nous arrivons en avril 42, et à ce plan Hercule, où Student prévoit de nouveau d'employer massivement ses parachutistes, ainsi que les parachutistes italiens, pour prendre le porte-avions incoulable qu'est Malte.
Alors parlons un petit peu de ce plan. Comment les Student va préparer son offensive sur Malte? Alors il prévoit déjà une première phase aéroportée. C'est-à-dire il a sous ses ordres, grosso merdo, la 7e Fallschirmjäger Division, donc une division de parachutistes allemands qui compte pas loin de 11 000 hommes. La division italienne parachutiste Folgore qui compte 7 500 hommes. Et une autre division italienne, la Spezia Herlanding Division, qui compte à elle toute seule pas moins de 10 500 hommes. Donc grosso merdo, Student a près de 30 000 unités spécialisées en combat aéroporté. Donc quand je parle d'aéroporté, bien sûr, je ne parle pas que de parachutistes qui sautent de Junker 52. Je parle aussi de troupes spécialisées dans le combat de planeurs, des mecs qui se posent directement au sol et qui sortent de leur planeur et qui montent à l'assaut. Alors c'est pas tout d'avoir les parachutistes, maintenant il faut avoir les moyens matériels. Est-ce qu'en 42, les Allemands ont encore les moyens aériens pour mener une telle offensive? La réponse est oui. Les Allemands, en juin 42, peuvent encore rassembler aisément 10 groupes de Junkers 52, hein, donc environ entre 500 et 600 Junkers 52, ce qui est encore une force, mine de rien, colossale. C'est suffisant pour déplacer une division entière, soit 10 000 parachutistes. Alors, est-ce que les Allemands ont aussi les moyens en planeur pour mener une telle opération? Alors, la réponse est oui, les Allemands sont des précurseurs dans le vol à voile, hein, mais je reviendrai plus tard sur la section matérielle. Mais grosso merdo, les Allemands disposent de 600 planeurs de plusieurs types, des planeurs très bien adaptés à ce type de mission, justement. Mais je reviendrai plus tard sur cet aspect plus matériel et tactique. Alors, maintenant qu'on a abordé l'aspect aérien, qui lui, étonnamment, est excellent. On va parler d'un peu où le bas blesse, c'est-à-dire de l'aspect amphibie de l'assaut. Combien d'hommes les Italiens disposent et surtout quels sont les moyens matériels dont les Italiens et leurs alliés allemands disposent pour mener cet assaut sur Malte. Alors bah, la situation n'est pas si critique que ça. C'est-à-dire que d'un point de vue humain, on a la division d'infanterie Frouli qui coûte 10 000 hommes, on a la Livorno avec 10 000 hommes, on a aussi plusieurs bataillons spécialisés d'assaut, donc le bataillon Loreto de 1 200 hommes, on a deux bataillons de marine, les San Marco qui comptent oui, 2 000 hommes, on a aussi trois bataillons de chemises noires hein, donc, qui comptent 1 900 hommes, ainsi qu'une unité de force spéciale de marine. De 300 Nuatatori. Donc d'excellentes troupes. Alors le problème, c'est le support blindé. Il se trouve que les Allemands, en ce moment, en juin 42, sont en pleine offensive en Russie, c'est-à-dire qu'il y a très peu de chars pour supporter cet assaut. Alors c'est ironique parce que les Allemands disposent, pour l'opération Hercule, de deux compagnies. Donc deux compagnies du Panzerabteilung ZBV 66, hein, qui est une unité allemande équipée de chars russes de capture, donc des KV-1, des KV-2 et quelques T-34. Hein. Les Allemands vont aussi additionner à ça une vingtaine de Panzer III pour donner de la mobilité, du punch à cette offensive. Alors le problème est plus naval, c'est-à-dire que les Italiens ont largement les moyens amphibies pour transporter tout ça à Malte. Le problème, c'est que c'est le manque de moyens amphibies de contact, c'est-à-dire qu'on manque de navires capables de faire la liaison entre les plages et les vaisseaux. Donc, alors néanmoins, la situation n'est pas si critique que ça, c'est-à-dire que la situation en 42 est bien meilleure que les Allemands, par exemple, en 40. Laissez-moi vous expliquer un peu ça. On va dire que les Italiens ont construit sous licence une espèce de petite barge de débarquement, donc des copies du Marine Fremdenprahm, donc un vaisseau allemand de 220 tonnes, capable de transporter 200 soldats ou 2-3 chars, ou l'équivalent en cargo. Donc les Allemands disposent en août de 65 donc, de ces vaisseaux. Hein. De plus, les Allemands vont envoyer une de leurs petites pépites hein, qui est méconnue, qui est le Sibel Ferries, donc, qui est un catamaran propulsé. Hein, donc c'est vraiment un navire exceptionnel. Hein. Il servira à évacuer la Sicile d'ailleurs en 43. Alors les Allemands disposent de 12 de ces catamarans donc, en deux versions différentes. Vraiment un excellent navire, et voilà. Mais on va dire que la situation amphibie est bonne, mais moins bonne clairement que les alliés en 44. Il y a quand même beaucoup d'improvisation. Jamais les Allemands n'ont tenté un tel débarquement. Malte serait une première.
Voilà le point de vue. C'est plus l'aspect matériel n'est pas si mauvais. C'est plus l'aspect doctrinal qui est un peu quand on tente quelque chose de nouveau pour la première fois, c'est généralement pas bon, hein. Il suffit de voir les Américains quand ils ont débarqué en Sicile, hein. Ça a été une improvisation totale, c'était une catastrophe. Pourtant les moyens matériels, le matériel était là. Voilà le point de vue amphibie naval de l'aspect. Et surtout, j'oublie de préciser. Il y a une donnée importante, c'est la Royal Navy. Il se passe quoi si le convoi donne du nez dans un cuirassé ou plusieurs cuirassés anglais? C'est un des aspects importants, hein. Même si la Sicile n'est pas loin pour ravitailler, pour amener le convoi, on n'est jamais sûr de pas tomber sur une escadre anglaise qui se balade à ce moment-là. Voilà. Alors nous, ce qui va nous intéresser, ça va être l'assaut aéroporté. Donc on va tenter avec l'avenir de vous faire revivre ça. Donc on va étudier un peu le matériel allemand, c'est-à-dire comment est-ce que les Allemands utilisent leurs parachutistes, comment ils utilisent leurs planeurs. Donc je parlerai pas de parachutisme, mais de Fallschirmjäger. Alors, on va dire que les Allemands sont des précurseurs déjà au niveau des parachutistes, même si les Russes sont les premiers à avoir innové dans ce domaine, les Allemands sont les premiers à avoir utilisé l'outil de façon opérationnelle, hein. Donc pour ceux qui connaissent la prise du fort d'Ebenmaël, hein, des planeurs allemands vont se poser directement sur la forteresse belge et s'en emparer, hein, en se débarrassant assez aisément de la garnison belge. Alors on va dire que la bataille de Crète va être la première vraie opération pour les parachutistes allemands, hein, et je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, le résultat a été catastrophique, même si la victoire est là, mais les pertes, elles, ont été monstrueuses, hein. Donc les Allemands, et surtout Hitler, va beaucoup hésiter à engager de nouveau ses parachutistes dans des opérations de grande ampleur. Alors à Malte, l'assaut parachutiste aurait été minimisé au profit d'un assaut très lourd de planeurs. Donc de quels planeurs les Allemands disposaient? Donc ils avaient une gamme assez large, hein. Il faut que je rappelle que les Allemands ont été, à la suite du traité de Versailles, on n'avait plus le droit de posséder une aviation de guerre, donc ils vont trouver des substituts. Et en l'occurrence, les Allemands vont développer une industrie du vol à voile, donc des planeurs, et vont très tôt se doter d'excellents modèles. Alors on a trois types de planeurs, hein, léger, moyen, lourd. Alors en léger, on a le très bon DFS 320, qui est un petit planeur, hein, capable de porter un petit peloton d'infanterie, donc 10 hommes. On a le plus gros et large Gotha Go 242, hein. Alors lui est capable de porter 23 hommes, ou alors un véhicule léger, donc une Kugelwagen, un sidecar avec une MG. Et enfin, on a les très lourds Messerschmitt 321 qui sont de véritables monstres, au point qu'il faille un Heinkel 111 modifié, un Heinkel 111 jumeau Dvilling. Je vous ai mis quelques photos pour que vous voyez à quoi ce monstre ressemblait. Donc ce Messerschmitt 321 est capable d'amener 200 soldats entièrement équipés, ou alors un char léger de 25 tonnes, hein. Donc c'était vraiment un monstre. D'ailleurs, je précise que ce Messerschmitt 321 a connu une version motorisée appelée le Messerschmitt 323, hein, qui a été un échec total. Alors on a que l'aviation italienne est elle aussi capable de déployer 220 avions de transport, quelques planeurs aussi, donc l'aviation italienne est présente. Donc voilà, on va dire, l'aspect matériel parachutiste. Alors comment les Allemands utilisent leur para? Alors, les Alliés, eux, préfèrent interdire des zones, alors que les Allemands préfèrent attaquer des objectifs précis. Le but des para-allemands est de sauter, par exemple, sur un aéroport, de prendre cet aéroport, de le sécuriser pour permettre à des Junkers 52 de se poser directement. Donc les Allemands ont une version très opérationnelle, hein, de l'emploi de parachutistes. Alors, les Allemands, à la différence des Américains, ne sautent pas avec tout leur armement. C'est-à-dire que les para-allemands sautent généralement avec un Luger, avec une arme de poing, et vont récupérer leurs armes collectives, ou leurs armes genre MP40, ils vont les récupérer dans des containers. Donc peut-être que certains connaissent par exemple le FG42, le premier fusil d'assaut allemand qui est apparu avant le MP44. Donc les Allemands, très très court terme, ne sont pas efficaces. Il faut d'abord qu'ils récupèrent leurs containers chargés d'armes, et ça, c'est un problème. À différence, les troupes en planeur, elles, arrivent directement équipées et prêtes au combat. Donc, par exemple, sur un terrain comme Malte, qui est assez plat, où le temps sera beau, il est plus facile de déployer des groupes de planeurs et d'avoir des pelotons efficaces instantanément que de faire sauter une masse de parachutistes via des Junkers 52, ces parachutistes qui vont être impuissants à l'atterrissage vu qu'ils n'auront qu'un seul Luger. Enfin,
Alors j'ai abordé la vision allemande, maintenant on va aller voir un peu ce qu'il y a en face. Qu'est-ce que les Anglais ont à la mi-42 pour s'opposer à un assaut massif de 30 000 ou 40 000 Allemands? Qu'est-ce que les Anglais ont pour tenter de rejeter l'assaillant à la mer? Alors, voyons un petit peu l'état de la garnison britannique à la mi-42. Grosso merdo, on a 15 bataillons d'infanterie, donc ça fait environ ça fait 4 brigades, 26 000 hommes. Parmi ces 15 infanteries bataillons, on a 4 Maltais et 11 du Commonwealth, hein, donc principalement des Anglais. On a un régiment blindé, puisque le Royal Tank Regiment, le First Independent Royal Tank Regiment est sur zone, avec 4 chars Matilda 2, donc des chars d'accompagnement de l'infanterie, qui sont armés de 2 Pounder, donc de 40 mm. On a aussi 2 chars Vickers Mark 6, donc qui sont des chars légers armés seulement de mitrailleuses, hein. Et enfin, ce maigre contingent blindé a été renforcé à la mi-42 par 8 blindés, donc 4 cruisers Mark 1 et 3 cruisers Mark 5 et un Vickers Mark 6, donc un char léger. On a aussi un régiment, le 12e Field Regiment Royal Artillery, donc le 12e régiment royal d'artillerie, qui se compose d'une vingtaine de 25 Powder, donc du 88 mm. La portée de ces pièces est d'environ 11 kills, hein, 11 clics, hein, 11 bornes. Alors Malte, pour sa défense côtière, dispose de 19 canons, hein, 19 gros canons, on va dire, et de 130 canons de plus petite taille. Hein. Et il y a en outre près de 300 pièces anti-aériennes. Pour faire simple, c'est peu. La garnison de Malte, c'est 26 000 hommes mal nourris, mal équipés, avec quasiment un support blindé nul, avec des blindés de mauvaise qualité. Et surtout, le point important que justement Kurt Student a dit après-guerre, c'est que la bataille de Crète, les para-allemands y sont allés sans rien savoir de ce qu'il y avait en face. En juin 42, Malte, chaque pâquerette est connue des Allemands, c'est-à-dire que l'île a été mitraillée par les services de renseignement allemands. Les Allemands savent absolument tout de ce qu'il y a en face. Ils savent où sont les chars, ils savent où sont chaque canon, ils connaissent où sont les avions. Les Allemands savent tout de Malte. Sûrement, les Allemands connaissent sûrement mieux Malte que les Anglais eux-mêmes. Kurt Schuden dira dans ses mémoires qu'il savait exactement quel canon pouvait pivoter de combien de degrés. C'est pour dire à quel point les Allemands connaissaient l'île de Malte et savaient où ils allaient se poser. Donc voilà pour la défense de Malte. Hein. Et j'ai pas abordé l'aspect aérien, mais il y a à Malte 6 aéroports en juin 42 et environ 200 avions. Parmi ces 200 avions, vous avez bon nombre de Spitfire, du Hurricane et vous avez aussi du Bristol Beaufighter, donc du Henley Page Halifax aussi, donc des bombardiers torpilleurs et des bombardiers plus conventionnels. Voilà pour la défense de Malte et voilà dans quelle situation on se trouve lorsque les Allemands ont la possibilité de lancer l'opération Hercule. Donc nous sommes à peu près en juillet, début juillet 42. Voilà. Alors au prochain épisode, on commencera la série et on attaquera l'opération Hercule et on suivra les Allemands heure par heure après leur posée d'assaut sur les aéroports maltais, hein. On fera ça tout en avec un cadre toujours très historique. On expliquera le pourquoi du comment. On servira de Google Earth pour voir un peu à quoi ressemblait l'île de Malte et compagnie. Donc voilà, c'était Petit Poucet et je vous dis à ciao ciao.